J'exprimais du fond du cœur toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au président Yacine Idriss Diallo de m'avoir choisi comme directeur pour diriger ces précieux centres. Merci d'être vous, Monsieur le Président. La décision de réaliser un projet de vie pour nous, agents du centre technique et la direction technique nationale, répond à votre politique de mettre à disposition l'un des maillons de la réussite de votre programme d'activité de campagne électorale. Il s'agit encore d'offrir un bâtiment rénové et entièrement équipé pour que vos agents travaillent dans d'excellentes conditions. Cette cérémonie marque le début d'un vaste chantier. En effet, il convient de rappeler qu'en dehors du bâtiment administratif, de nombreuses infrastructures majeures sont attendues. Encore la réhabilitation de l'hébergement, la cantine, les terrains de jeu, la piscine, les magasins, la salle de mutation, etc. Nous savons aussi, Monsieur le Président, que vous voulez faire du Centre technique national de football un pôle économique, un centre autonome, un centre attractif et vivant. Mon équipe et moi épousons entièrement cette vision et sommes déterminés à ne pas vous décevoir. Et nous prions le Seigneur afin qu'il vous donne à vous, Monsieur le Président de la Fédération Ivoirienne de football, et aux membres du comité exécutif de vous donner tous les moyens pour pouvoir réaliser ces grands travaux. Enfin, nos remerciements vont aussi à l'endroit de l'entreprise SETCG pour la réalisation de ce projet. Comme le dit l'une des paroles saintes, immense est la tâche, même eux sont les ouvriers. Monsieur le Président, s'aimer encore, car bientôt on arrivera à la moisson pour le développement et le rassemblement de notre football. Je vous remercie. Nous avons reçu un cahier des charges que nous avons affiné avec un bureau d'études qui est le cabinet Burger. Et une fois ces travaux validés par le bureau d'études, on est revenu vers la fédération qui a validé et nous avons commencé les travaux le 5 décembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme contrainte? Il ne faut pas que vous oubliez qu'on est en bordure de lagune et surtout ce bâtiment est un historique, c'est un ancien gymnase. Donc de là découle un certain nombre de contraintes que nous avons essayé de gérer. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce travail? Il ressort de cette œuvre-là qui a fait l'objet de contrôle du bureau d'études et pour lequel, après la remise effective des clés sous un délai de 14 jours, le bureau de contrôle fera son rapport à la Fédération ivoirienne de football. Dans ce rapport, il y aura un certain nombre de recommandations qu'il plaira au président et aux membres du comité exécutif de gérer d'un délai qu'il estime être le sien. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire pour le compte du fournisseur. Pour conclure, SETCG reste aux côtés de la FIF pour l'accompagner éventuellement dans tous les projets qu'elle aurait. Nous prions Dieu Tout-Puissant de garder sa main sur l'ensemble d'entre nous et de faire en sorte que tout ce que nous allons entreprendre pour le compte de cette institution rétribue à cette institution et à l'ensemble des membres les mérites dont ils ont besoin. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, merci. On va faire la remise des clés en même temps. Cédric, recevons, mesdames et messieurs, maintenant sous acclamation le président Yacine Idriss Diallo. Je suis très heureux d'être là ce matin pour la réception de la réhabilitation de ce bâtiment. Alors, j'ai, à la suite de CAE, une pensée émue pour mon aîné, feu mon aîné, Ouraga Balounikez. C'est quelqu'un avec qui j'avais tissé des relations particulièrement étroites et qui avait un grand amour du football et de la Fédération ivoirienne de football. Et dans notre projet initial, effectivement, c'est lui qui était censé diriger ce site avec comme adjoint Kaye Oulahi,
qui est son cadet, parce que c'est deux personnes issues du ministère des Sports et qui ont une très grande expérience dans le football. Mais il a plu au Seigneur de le rappeler et il ne peut pas assister à cette cérémonie, mais je sais que de là où il est, ses prières nous accompagnent et il doit avoir un sourire ému, puisque ce projet était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Ceci étant dit, nous sommes ici aujourd'hui pour recevoir ce bâtiment qui a été réhabilité de fond en comble. C'est un bâtiment que je connais bien, puisque je fais partie des membres du comité exécutif de 2006 qui ont procédé à la réalisation de ce bâtiment dans le cadre du projet GOL. À l'époque, le président de la fédération était le président Jacques Anouma, qui, sous son mandat, a initié le premier projet GOL. Et c'est ce projet GOL qui a permis de faire ce bâtiment, de faire aussi les hébergements qui sont en bordure de la dune et de réhabiliter le terrain. 2006-2023, donc ça nous donne bientôt une vingtaine d'années. Beaucoup de choses se sont passées. Ce bâtiment a été à l'abandon, complètement délabré. Ensuite, il y a eu les fameuses inondations de l'année dernière qui sont venues lui porter le coup de grâce. Nous avons voulu réhabiliter le bâtiment pour donner un outil de travail à M. Batelli et à son équipe, parce que Ludovic, le DTN, c'est celui que nous avons choisi pour conduire la réforme de l'ensemble du système du football ivoirien, tant au niveau des entraîneurs que du football des jeunes et des filles. Il avait besoin donc d'être dans des bonnes conditions pour qu'avec son équipe, il puisse plancher, réfléchir, travailler au service du football ivoirien. Donc la réhabilitation consistait pour nous à mettre en place les outils leur permettant d'avoir un cadre adéquat pour mener à bien leurs travaux. Donc c'est une première étape. Nous sommes pour parler avec la FIFA pour la suite, pour amener le centre technique à un niveau qui soit un niveau acceptable pour notre pays. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons de belles perspectives et régulièrement, nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces choses. Alors, effectivement, nous avons demandé à l'entreprise de nous faire un travail de qualité qui puisse tenir le temps nécessaire. Mais nous sommes aussi obligés de reconnaître que quand un travail est fait, le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est la maintenance. Et nous avons pris les dispositions pour que ce joyau soit entretenu. Nous comptons vraiment sur CAE pour faire un travail ici de suivi, un travail qui porte attention à l'ensemble de ce qui va se dérouler sur ce site. Je voudrais profiter aussi pour dire que ce site, il est aussi le site des clubs. Donc, parce que la direction technique nationale ne travaille pas en dehors des clubs, elle travaille pour une politique générale. Cette politique générale inclut l'ensemble des, parties prenantes de la fédération. Donc, je cite les clubs parce que, nommément, ces clubs-là sont censés avoir des équipes de jeunes, des équipes de filles, sont censés avoir des techniciens qui vont être formés ici, mis à niveau ici. Donc, c'est un travail qu'on fait pour l'ensemble des clubs. Je voudrais saluer la présence de tous les présidents de clubs ou de leurs représentants. Merci pour votre présence. Je voudrais également remercier nos amis de la presse qui répondent toujours présents à nos côtés. Et donc, les féliciter pour le travail qu'ils font au quotidien et leur dire qu'évidemment, ils ont vu qu'on a eu un séminaire la semaine dernière. Ça veut dire simplement qu'au niveau du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses restent à faire et on veut le faire de la meilleure des façons possibles, d'où la nécessité de nous remettre nous-mêmes en cause et de nous mettre nous-mêmes à l'école. Mes chers collègues du comité exécutif, je vous remercie pour votre présence et je tiens vraiment à dire que ce bâtiment est le premier maillon d'un projet beaucoup plus important.
une fois que nous aurons validé avec la FIFA les termes et la forme de ce que prendra ce nouveau centre, nous aurons l'occasion de vous faire une présentation. Ceci étant dit, je voudrais vous remercier, le personnel de la fédération aussi qui a fait le déplacement. Merci d'être là, d'être toujours présent et souhaiter à ce bâtiment une belle et longue vie et surtout qu'à l'intérieur de ce bâtiment, les brainstorming qui vont se faire, les réflexions qui vont se faire puissent servir de façon effective et efficace à l'avancée du football ivoirien qui est, je dirais, l'amour qui nous réunit tous ici ce matin. Je vous remercie. Il faut le noter, ce bâtiment comprend 10 bureaux, une salle de réunion pour les entraîneurs nationaux et une salle d'attente. Et les clés reçues par le président de la fédération sont remises également au directeur du centre qui en prendra vraiment soin. Merci beaucoup, monsieur le président, pour tous les efforts. Et nous allons procéder maintenant à la coupure du ruban. Qui va permettre de dérouler plusieurs activités ici au centre MU Assurance de Couteau de Benjamin. Les hôtesses. Il est bon de noter qu'après la visite, nous passerons à la dernière phase. De notre roman, c'est-à-dire du cocktail. Le cocktail qui est positionné de l'autre côté du bâtiment, vers la piscine. L'espace à pouvoir accueillir tous les invités. Audio Jungle.